Je suis professeure de sociologie politique à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et j'étais membre d'une équipe d'une trentaine de sociologues et de politistes qui ont décidé de partir à la découverte, en quelque sorte, des militants ordinaires de 68 pour voir ce qu'ils étaient devenus. Qu'est-ce que le militantisme avait fait dans leur vie professionnelle, affective, voire sexuelle. En fait, ce qui nous motivait, c'est qu'aucune enquête n'avait été réalisée jusque-là sur ces militants ordinaires. Et sur ce, le récit a été imposé par quelques figures médiatiques, comme Julie, Gessmar, Cohn-Bendit, etc. On se rend compte que les héritiers, ce qu'on appelle les héritiers, comme disait Bourdieu, hein, donc des jeunes issus de la bourgeoisie, hein, ne constituent qu'une minorité, 20%. La plupart d'entre eux ont été des intellectuels de première génération, c'est-à-dire qu'ils ont, ils sont rentrés à l'université, c'était les premiers de leur famille à rentrer à l'université, et ils vont subir un véritable choc et un décalage entre leur espoir d'ascension sociale et la réalité d'une société qui leur apparaissait extrêmement bloquée. Donc, premier enseignement. Deuxième enseignement, ce sont des gens qui ont payé assez cher leur militantisme en termes professionnels, en termes affectifs. On voit beaucoup plus de divorces, beaucoup moins d'enfants, par exemple, des carrières plus hachées, et quelquefois des difficultés pour la retraite. Donc plutôt un déclassement, et particulièrement pour les femmes, pour y revenir. Et troisième enseignement, eh bien, ce ne sont pas des renégats, puisque la plupart d'entre eux restent engagés, sont restés engagés soit toute leur vie, mais en changeant de militantisme, par exemple, en passant du militantisme politique au militantisme syndical, plus tard en se mobilisant ou remobilisant à l'occasion des mobilisations altermondialistes, et ils restent encore aujourd'hui très actifs. Aujourd'hui, nous sommes le 26, il va y avoir une manifestation. Je pense qu'un certain nombre d'entre eux vont, s'ils sont encore en mesure, ils vont venir très certainement. Donc un portrait orthogonal à celui qui nous est dressé, brossé, asséné depuis des décennies de commémoration. Avant d'aller voir les militants, on a vu à peu près 400 militants. Hein. On a fait des récits de vie avec 400 militants sur donc, ces 5 villes de province. On avait fait un gros travail, ce qu'on appelle de cartographie des forces militantes dans chacune de ces villes, qu'on a décidé pour certaines villes, pas simplement Marseille, mais également Lyon, hein, d'en faire un livre, mais cette fois-ci plutôt d'histoire sociale et politique, alors que le livre Actes Sud est un livre plus sociologique sur les trajectoires biographiques des militantes. Alors que là, c'est plutôt, ce sont des ouvrages sur qu'est-ce qui change autour de ces années 60-70 dans les villes en question et notamment Marseille. Alors Marseille, c'est très tout est intéressant bien entendu, parce qu'on avait choisi des villes avec des configurations socio-économiques et politiques différentes. La spécificité de Marseille, c'est d'une part que c'est une ville qui a une très forte puissance de la CGT et du PCF, mais qui avait subi une répression considérable au lendemain des grèves de 1947. Donc une reconstruction lente, hein, mais une forte conflictualité sociale, ouvrière, classique, hein, si je puis dire, à Marseille. L'autre spécificité, c'est qu'à l'inverse d'autres villes, Marseille est déjà profondément en crise dès les années 60, du fait des effets de la fin des colonies, etc. Donc c'est déjà une ville sinistrée. Sur le plan militant, je dirais que Marseille, mai 68 à Marseille, est un mouvement qui suit le mai parisien, mais ça c'est classique, enfin c'est dans toutes les villes de province comme cela. À la différence de Paris, c'est un mai qui va être très long avec de très fortes occupations d'usines, mais qui va se dérouler calmement, dans la mesure, sans incident comme à Paris, dans la mesure où le poids du PC est tel que l'extrême gauche, en quelque sorte, fait un peu attention, si je puis dire. Mais il n'y a pas une grande spécificité en mai-juin. Il y aura une grande spécificité, en revanche, sur deux points de vue. D'une part, le poids des militants d'extrême gauche, beaucoup plus important ici que dans d'autres villes, et surtout les mobilisations féministes. Puisque là encore, en l'EMLF,
choisir, suit la trajectoire parisienne, si on peut dire, hein, mais on va avoir une forte focalisation de cette ville du fait de l'impact du procès des violeurs de Morjou, qui étaient deux hommes qui avaient, dont trois hommes qui avaient violé deux campeuses belges dans les Calanques. Et donc le procès va avoir lieu entre 1974 et 1978 à Aix, avec deux figures, Serge Halimi du côté... Gisèle Halimi, pardon, du côté de la défense de ces jeunes femmes, hein, et Colliard pour défendre les violeurs. Donc une focalisation sur cette question du viol qui est essentielle dans la cause féministe, qui a été très marquée par ce procès, hein, et puis ensuite une ville pionnière sur deux plans, d'une part toujours dans la lutte contre les violences faites aux femmes, les femmes battues, puisque c'est une des premières villes où on a l'organisation SOS Femmes Battues, et surtout sur la mouvance LGBT, avec une importance assez considérable des lesbiennes radicales à Marseille, et le mouvement homosexuel qui est en grande partie lancé à partir de Paris et de Marseille, avec les groupes de libération homosexuelle et les premières universités d'été homosexuelles qui vont être faites ici à Marseille. Je ne suis pas une littéraire, donc là, spontanément, eh bien, j'avais pensé à une sculpture que je trouve magnifique à Vaux-le-Vicomte, qui est un couple de lions et qui dégage un amour que j'ai trouvé et une tendresse qui m'a beaucoup émue. Et puis en plus, comme on va parler de féminisme tout à l'heure, qui tranche un peu avec cette vision de l'homme-lion. Voilà. Deuxième souvenir après réflexion, c'est évidemment Hiroshima, mon amour. Là aussi, on est un peu dans le thème de ces années, hein, avec Je t'aime, tu me tues, et un film qui m'a beaucoup marqué, j'ai vu quand j'étais adolescente.